Bonsoir, chers frères et sœurs, téléspectateurs de Ecclesia TV. Merci de nous rejoindre sur ce plateau de Chemin d'Unité. Chemin d'Unité, aujourd'hui, nous allons parcourir un des extraits de la lettre de l'apôtre Paul aux Éphésiens. S'il y a une recommandation des écrits de Saint Paul qui suscite des commentaires très souvent acerbes et des polémiques dans les couples chrétiens, c'est son fameux test qui recommande aux femmes d'être soumises à leur mari. À l'heure des revendications pour l'indépendance économique, affective et sociale de la femme, ce test de Saint Paul peut surprendre plus d'une personne. Et cela suscite des incompréhensions, voire des colères. On dira que politiquement, cela peut sembler incorrect et peut même provoquer un rejet catégorique. L'homme et la femme ne sont-ils pas devenus aux yeux de la loi tous les deux des chefs de famille? Est-ce que ce serait possible finalement de demander à la femme d'être soumise et qu'est-ce qu'on pourrait attendre de l'homme? Saint Paul serait-il l'éternel misogyne que l'on dépeint si souvent dans les écrits? N'a-t-il vraiment rien compris à ce qu'un couple moderne, ou ne serait-ce que, est-ce qu'il serait le porte-parole d'une mentalité antique définitivement révolue? Finalement, qu'est-ce que nous devons comprendre de cette recommandation de Paul qui s'adresse aux femmes en leur demandant d'être soumises à leur mari? Qu'est-ce que cela signifierait, ce thème soumission? Et qu'est-ce que cela revêt comme signification aussi bien pour l'homme que pour la femme, disciples du Christ chrétien aujourd'hui? Et donc c'est pour échanger sur cette thématique « Femmes, soyez soumises à vos maris » que nous recevons sur ce plateau d'Ecclesia TV, Chemin d'Unité, deux couples. Ils vont se présenter à nous. Donc je vais commencer par ma gauche, le couple, l'un des jeunes couples, hein, n'est-ce pas? C'est le couple Adjobi. Soyez les bienvenus. Merci. Est-ce que vous pouvez vous présenter à nos téléspectateurs? Alors, merci beaucoup, Arthur, de nous inviter sur ce plateau de Ecclesia TV. Un réel plaisir pour moi. C'est également un plaisir pour nous de nous associer à cette émission qui est beaucoup suivie. Alors, je présente mon épouse, ma meilleure moitié Anne-Aimée Adjobi. Ma meilleure moitié, Omer Adjobi. Alors, nous sommes mariés bientôt 10 ans. Nous aurons 10 ans le 12 novembre prochain. Nous avons deux filles. Nous fréquentons la paroisse Notre-Dame du Perpétuel Secours de Trècheville. Et nous cheminons à la communauté du Chemin Neuf depuis bientôt 9 ans. Voilà, donc je laisse mon épouse ajouter peut-être quelque chose. D'accord, merci bien. Au niveau de la paroisse, nous sommes au sein de la fraternité Famille Chrétienne, AFC, Association Famille Chrétienne. Maintenant, 7 ans que nous fréquentons cette association. Voilà. Ok, donc vous avez beaucoup d'expérience à nous partager en termes de couple et de famille. Et donc, avec nous sur ce plateau, nous avons un jeune, très jeune couple, le couple Dido. Est-ce que vous pouvez vous présenter à nos chers téléspectateurs? Ben oui, bien sûr. Bonsoir. Bonsoir tout le monde. Bonsoir. Nous sommes donc ma meilleure moitié, Dido Constance. Ma meilleure moitié, Armand Dido. Voilà, donc nous sommes mariés depuis déjà quand même 41 ans. Dieu nous a fait grâce de nous donner 4 enfants. Et nous cheminons aussi à la communauté du Chemin Neuf depuis 1993. Donc vous ferez les calculs vous-même. Cela ne nous donne aucun privilège, bien au contraire, des responsabilités, nous pensons. Et nous prenons avec plaisir ce temps avec nos frères pour parler de ce thème que Arthur a bien voulu développer tout à l'heure. Constance, quelque chose à ajouter? Nous sommes grands-pères de 4 petits-enfants.
Je suis donné il y a un mois. L'aîné a 14 ans. Ah, mais c'est très bien. Moi, je suis très heureux de me retrouver sur ce tableau avec un couple qui a 10 années de vie commune et un autre qui a 41 années de vie commune. Je crois qu'il y a de quoi faire de belles sauces et nous apporter un retour d'expérience qui pourrait aider nos chers téléspectateurs. Et j'ai bien envie de commencer avec cette question suivante. Certainement que ce n'est pas la première fois que vous avez entendu cette fameuse phrase, cette fameuse recommandation de Saint Paul, « Femme, soyez soumise à vos maris ». Donc, quelle a été votre réaction lorsque vous avez lu ou entendu ce texte de Paul pour la toute première fois? Peut-être m'adresser aux femmes. Quelle a été votre première réaction? Vraiment toute première réaction, hein, je ne sais pas, il y a combien d'années en arrière. Oui, vas-y. Merci. Alors moi, quand j'ai lu ce texte pour la première fois, c'était comme une révélation pour moi. Mm-hmm. Parce que depuis toute petite, avec mes parents, maman était soumise, beaucoup soumise, et je ne savais pas pourquoi. Alors quand j'ai lu ce texte après avoir reçu Jésus, alors j'ai compris pourquoi Saint Paul invitait la femme à la soumission. Mm-hmm. Donc c'était comme une réponse pour moi. Ok, donc pour toi c'était une réponse, c'était une révélation. Constance, c'est toi? Ben moi j'ai pas tiqué parce que je pense que c'est normal, vu ce que j'ai vécu aussi, mes parents sont restés ensemble. Dès le bas âge, c'est moi rebelle qui réagissait à plein de moments quand il y a un peu de frissons à la maison. Mm. Et maman me dit tais-toi, c'est comme ça, tais-toi. Je dis ok. Et malheureusement, cela a disparu de nos temps. Mm. Nous avons bien choisi ce test lors du mariage, mais en réalité, ça se passe autrement mm-hmm. avec la jeunesse. Ok. Donc, Aubin? Alors, est-ce que tu es à l'aise avec cette interpellation de l'apôtre Paul? Bien entendu. Cela ne me dérange pas parce que moi, je suis issu quand même d'une famille qui a une relation avec le Seigneur. C'est vrai, nous avons été éduqués par notre mère, mais dans les conseils qu'elle nous demandait, elle nous donnait très souvent, et surtout à nos sœurs, c'était d'être soumise, de respecter leur mari. Voilà, donc c'était le thème qu'elle utilisait et qui s'approche, je pense, dans son sens à la soumission. Voilà, donc ce sont des choses que nous avions entendues. Et je pense que plus tard nous allons développer, mais dans le couple quand même, ce sont des choses que je regarde, j'apprécie, et moi ça ne me dérange pas du tout. Mmh. Ok, très bien, merci pour ton partage. Armand? Contrairement à ce que beaucoup pensent aujourd'hui, moi personnellement, lorsque j'ai lu cette partie de la Bible, honnêtement, je n'étais pas étonné parce que moi-même, je suis d'un caractère de soumission. J'aime bien l'obéissance et j'aime bien la soumission. Et peut-être ce qui changeait, c'est le fait qu'on s'adresse aux femmes et non peut-être pas aux hommes. Mmh. Mais dans tous les cas, je pense que l'ordre des choses doit être respecté et une femme soumise... Maintenant, la pratique, puisque après, entre-temps, nous nous sommes mariés, nous ne sommes plus... Hein, c'est une fleur, c'est une aubaine d'avoir une femme soumise avec soi. Mmh, tu voilà. as dit quelque chose d'intéressant, tu dis l'ordre des choses doit être respecté. Tu peux oui, nous en dire parce plus que, parce que pour moi, la première des choses, c'est quand même la parole de Dieu. Mmh. Voilà, c'est la parole de Dieu. Dieu a fait les choses de façon à ce que chaque chose soit à sa place. Le gros problème que nous avons, nous les hommes, c'est de vouloir déplacer les choses sans respecter cet ordre-là. Mais dès lors qu'on rentre dans un ordre établi par Dieu selon les paroles de la Bible, il y a de fortes chances de vivre harmonieusement et de vivre dans la paix. Voilà, c'est ce que j'appelle l'ordre des choses. Okay, ce n'est pas l'ordre qu'établit les hommes, qu'établissent les hommes ou le monde, mais c'est un monde, c'est un ordre établi par Dieu. Okay. Curieusement, nous sommes aujourd'hui dans un monde où on parle de plus en plus de parité des sexes. On parle aujourd'hui de l'égalité, de la dignité entre l'homme et la femme.
Et donc, il faut quand même reconnaître que cette parole de Paul au 21e siècle, c'est quand même quelque chose de choquant. C'est quand même quelque chose d'inacceptable. Aujourd'hui, voilà, femme soumise à votre mari, alors que quand nous rendons à la mairie, ce n'est plus comme il y a quelques années en arrière, à notre époque. Maintenant, on remet le carnet aux deux époux et on dit que les deux époux sont tous deux chefs de la famille. Dès lors qu'on parle de chef de la famille pour ces deux personnes, qui se soumet à qui finalement? Donc, quel est votre avis? Est-ce que ce n'est pas choquant aujourd'hui, 21e siècle, dans le contexte, dans notre contexte actuel? Oui, vas-y, tu peux. Moi, quand j'entends parler de parité de genre, de sexe, et aussi de soumission, je me dis que c'est vraiment pas deux choses, c'est pas pareil. Ok. C'est pas pareil à mon sens, parce que la parité répond à un besoin de développement durable, à un besoin d'égalité, de chance. Donc c'est prédéfini dans des concepts bien définis. Mmh. Alors, parler de parité, c'est donner la chance, les mêmes chances à la femme qu'à l'homme, n'est-ce pas? Et quand on rentre maintenant dans le foyer, dans le couple, c'est différent. Pourquoi? Parce que dans le couple, comme papa Dido l'a dit, l'ordre est préétabli par Dieu. Et cette soumission de la femme là, la rend libre. J'ai donné l'exemple tout à l'heure que quand j'étais petite, j'observais maman qui était vraiment soumise. Et de l'autre côté, on avait des voisins. La femme n'était pas soumise à son mari. Mais on constatait qu'il y avait un déséquilibre dans ce couple-là. Donc, vouloir intégrer la parité dans la vie de couple, c'est ne plus tenir compte de l'ordre qui a été préétabli par voilà, Dieu. Voilà, comme tout à l'heure Amon voilà. Le disait, ce n'est plus respecter l'ordre divin. Voilà, effectivement. Et donc, moi, je dirais que la parité et la soumission que Saint Paul a révélée dans son texte, c'est vraiment différent. C'est deux choses différentes. C'est deux choses différentes. Okay. Donc, les hommes, vous qui êtes sur le plateau, dites-moi, qu'est-ce que vous entendez par soumission? C'est quoi la soumission pour vous? La soumission de la femme, de votre femme, ou de la femme de façon générale, à quoi elle ressemble? Ou à quoi elle ressemblerait? Robert. Alors, pour moi, le concept de soumission révèle deux acceptions. La première, c'est l'obéissance. L'obéissance dans l'amour. Et la deuxième, c'est le respect. C'est le respect. Et donc, pour moi, la soumission, c'est en même temps qu'il y a l'obéissance, il y a le respect. La femme est établie par Dieu, puisque c'est de la côte de l'homme qu'elle a été tirée. Mais en même temps, Dieu l'a amenée en mission auprès de son mari. Alors, pour qu'elle puisse accomplir convenablement cette mission, il faudrait qu'elle respecte son mari, qu'elle lui doive obéissance. Et tout à l'heure, mon épouse l'a dit. Et avant qu'on arrive ici, elle m'avait donné cet exemple où le voisin d'en face avait beaucoup de difficultés parce que la femme ne respectait pas son mari et elle ne lui était pas obéissante. Voilà, donc pour moi, l'obéissance, la soumission, c'est respect et obéissance à son époux. Ok. Ça, c'est la voix d'un jeune couple. Oui. J'ai bien envie d'un jeune époux, je vais dire. Mais écoute, à ce niveau, rien n'est nouveau sous le soleil. Hein. Okay. Voilà, je voudrais dire qu'il a parfaitement raison. L'homme, c'est comme si Dieu l'avait, entre guillemets, bien sûr, programmé de cette façon. L'homme tient au respect. Et ça, il est bon de le souligner dans cette émission. L'homme tient vraiment au respect. Et la femme, elle ne tiendrait pas au respect? La femme tient au respect, mais elle a peut-être d'autres angles d'attaque à ce niveau-là. Mais l'homme, fondamentalement, c'est vraiment le respect. Si vous le respectez, si vous obéissez à ce qu'il demande, il y a de fortes chances qu'il soit relax sur tout le reste, finalement. Et puis, bon, c'est ça qui est la vie. C'est-à-dire que quand ça se passe bien entre vous, c'est tant mieux. Voilà.
Et ça, je ne cesse de répéter à ma femme, si quelquefois il y a des petits écarts, malgré le nombre d'années que nous sommes ensemble, dire l'homme, c'est le respect. J'ai dit la même chose à ma fille qui est mariée. J'ai dit l'homme, c'est le respect. Même si tu ne dis rien, ce sera toujours ça. Si tu ne le respectes pas, à un moment donné, les choses ne seront pas dans leur ordre et il ne te donnera pas, voilà, je veux dire, l'amour que tu peux attendre de lui. Constance, tu as été interpellée tout à l'heure. J'ai été interpellée. La femme, l'homme, c'est le respect. Oui, vous, c'est... Toi, en tant que femme, comment est-ce que tu comprends la soumission, surtout ce thème de soumission dont parle Saint-Paul? Ben, la soumission, elle a été établie par Dieu. Il faut toujours partir de la base de la Bible. Il nous a créés à son image. Lui, il est soumis au Père, Jésus, que nous suivons, il est soumis au Père. Et il nous demande cette soumission également. Mais le Père prend soin de son Fils, et le Fils étant soumis, tout marche, et le Père l'aide à partir. Voilà le sujet. Mais, or, aujourd'hui, on veut la soumission, mais on ne veut pas jouer ce rôle d'amour pour le prochain. C'est là où le problème se pose. Et donc cette soumission, toi, comment tu la vis concrètement dans la relation avec ton époux, dans le quotidien de votre vie? Cette soumission, je... Ah bon, tu pourras après témoigner. Hein. Mais bien sûr, je suis témoigner. Sinon, ce serait trop facile. C'est vrai qu'ici, c'est la télévision, ah, tout le monde regarde. On parle de la Bible, il faut que chacun sache son rôle à jouer. Okay. Pour que ça marche. Mais c'est quand ça tend un peu de l'autre côté, dit, mais en fait, on prie, mais où est-ce que nous allons? Il faudrait qu'on se remette en place. Or, avec l'orgueil humain, on ne veut pas accepter, il faut la soumission uniquement. C'est là où le problème se pose. Je n'ai pas bien compris. C'est-à-dire que c'est comme si l'époux demandait la soumission uniquement, c'est ça? Voilà. Alors qu'il faudrait quoi d'autre? Mais vivre selon la parole de Dieu. Ah, ok. Ah oui. Il y a une base. C'est quoi la base? Respecter. Mais c'est la parole que nous suivons. C'est la parole que nous suivons qui est la base. Est-ce que nous sommes à l'image de Jésus? Est-ce que nous faisons ce que le Père demande? Et là où ça pose un problème, si ça ne marche pas de la sorte, c'est sûr qu'on dira, ben, on suit Jésus, mais où allons-nous? Il faudrait poser un problème pour ça, je ne suis pas d'accord. Et chacun se remet en cause pour que ça continue. Voilà. Ok. Mais peut-être avant de te passer la parole, concrètement, Constant, je veux revenir là-dessus. Je pense que nos téléspectateurs nous attendent là-dessus. Tout à l'heure, tu disais que pour toi, c'était naturel et c'était dans l'ordre des choses que tu sois soumise à Armand, ton époux. Oui. Et donc, ce que j'aimerais savoir et ce que nous aimerions savoir, c'est concrètement cette soumission-là, comment tu la vis au quotidien? Quels sont les actes que tu poses au quotidien qui disent que tu es une femme soumise? Soumise, ben, je prends soin de lui, je lui fais le repas, okay. Je lui demande ce qu'on veut faire par exemple, qu'est-ce qu'on doit faire aujourd'hui, voilà. Pour les enfants, qu'est-ce que tu penses qu'on aurait pu faire, ou bien qu'est-ce qu'on doit faire pour tel ou tel sujet à la maison. Tu demandes son avis, c'est voilà. Ça, ok. Mais quand tu ne me réponds pas, et puis après, tu fais toi seul, c'est sûr qu'il y aura... un petit chauffage à la maison. Un petit chauffage, c'est ça. Voilà. Ok, je pense que... Tu me dis, laisse-moi le temps, je réfléchis, et puis on en parle. Mais tu dis rien, le temps passe, oh, il y a certains trucs qui urgent. Il faut avancer. Et quand tu prends ta décision, tu ne me respectes pas. Oh, je t'en avais parlé, tu ne me donnes pas une réponse. Que faire? Et donc, il faut ici, bien agir. Il faut bien agir. Okay. Donc ici, je comprends bien que pour toi, la soumission, c'est prendre soin de lui en lui faisant la cuisine, en demandant son avis. Voilà. Voilà. Ok. Et là où ça chauffe des fois, par exemple, je lui dis, bon, qu'est-ce qu'on fait? Mais quel est ton programme pour la journée? Elle me dit, je fais ça. Mais qu'est-ce que tu me veux? C'est ça. Là, ça te bouscule. Et là, c'est difficile de se soumettre à ce moment-là. Pour ce genre de petits trucs. Okay. En fait, je veux dire quelque chose par rapport à ça. Non, mais ça. Peut-être si tu permets, là, c'est les femmes qui ont la c'est parole. Ah, ok. Voilà. Okay. Sa jeune sœur va nous dire comment est-ce qu'elle comprend la soumission et comment est-ce qu'au quotidien, elle vit cette soumission-là. Merci.
Moi, la soumission, elle a deux caractères. Mmh. Alors, elle peut être aliénant et elle peut être liberté. Aliénant, c'est-à-dire? Voilà, tu es soumis par contrainte. Ah, ok. Voilà. Et tu es soumis par liberté. Tu es libre quand tu es soumise à ton mari. Mmh. Parce que tu vis une vie dans l'esprit. Quand tu vis une vie dans l'esprit en tant que chrétien, la soumission devient liberté. Liberté. C'est comme la loi que Moïse a donnée à son peuple. Le peuple a trouvé ça contraignant parce qu'il ne vivait pas une vie dans l'esprit. Okay. Mais quand Saint Paul est arrivé, avec la vie dans l'esprit, il a trouvé qu'il y avait des lois qui rendaient libre. En fait, c'était pour notre liberté que le Seigneur a établi ces lois-là. Mmh. Je reviens toujours à la vie de mes parents. Je comprends que maman vivait la soumission, pas forcément sous l'angle que moi je vis. Okay. Donc pour moi, la soumission me rend libre. Dans ce sens que ça me permet, ça me évite d'être en conflit avec mon époux. Et la soumission a aussi ce caractère de force pour moi. Parce que ça me donne d'être homme, l'humilité précédant la gloire. Je me rabaisse. Et je laisse le temps à mon époux de s'exprimer. Et à la fin de son expression, je tire quelque chose comme le Seigneur a tiré la côte d'Adam pour donner Ève. Et ça donne quelque chose de génial. Mmh. Et il reste la bouche ouverte. Bon, je crois que si la soumission est vécue dans la vie de l'esprit, elle devient une liberté, équilibre, paix, joie, amour dans le couple. Et revenant à notre couple, il faut dire que nous l'avons mentionné, ça fait 10 ans que nous sommes mariés. C'est vrai que quelquefois, on se marche là-dessus, mais avec la grâce du Seigneur, est-ce qu'on a reçu, si vous me le permettez, de la communauté du Chemin Neuf, parce qu'on l'a fréquenté jeune, nous permet d'avoir cette force-là, d'être soumis l'un à l'autre et de respecter l'autre. Parce que moi, étant soumis, ça me rend libre. Alors, je trouve ça comme une force pour mon époux. Concrètement, qu'est-ce que je fais? Voilà les actions que tu mènes. Les actions que je mène, bien souvent, mon époux, il a l'habitude de me demander mon avis, malgré que c'est l'homme. Ou parfois, il mène des actions sans demander mon avis. Mais bien souvent, il demande mon avis. Mmh. Et quand il demande mon avis, on le met sur table avec discernement et on y va. Je prends soin de lui en faisant ses petits plats qu'il aime. Oui. Ben, tu peux sourire, tu es un homme heureux. Aussi, en prenant soin des enfants, malgré le boulot, être présent quand même en tant que mère, en tant qu'épouse, je souligne bien que souvent, ce n'est pas toujours donné, mais avec la grâce du Seigneur, on y arrive. Voilà, moi, la soumission, c'est comme ça que je peux la définir, liberté totale en Christ. Ok. Tout à l'heure, tu as fait état de la vie dans l'esprit. Tu peux nous en dire plus pour nos téléspectateurs? La vie dans l'esprit, c'est la nouveauté. Je disais que lorsque le peuple, les Israélites ont reçu la loi de Moïse, ils n'avaient pas l'Esprit Saint, n'est-ce pas? Donc, ils respectaient cette loi-là de façon tellement scrupuleuse que ça devient... À la lettre. Ça devient, on ne mange pas ci, on ne mange pas la viande, on ne mange pas les mains sales. Ça devient contraignant. Mais quand tu as la vie dans l'esprit et tu sais que tu as été racheté par le Seigneur Jésus, qui t'a libéré par la puissance de son esprit, alors tu es libre. Quand tu poses un acte, tu le poses par amour pour le Seigneur et pour le conjoint. Donc c'est en ce sens-là que je parle de la vie dans l'esprit. Être né de nouveau par le Seigneur Jésus. Donc, à vous entendre parler, c'est comme si la soumission, c'était comme faire passer une lettre à la poste, quoi. Vous voyez? Alors que là d'où je viens, là où nous sommes tout à l'heure, nous allons sortir de ce studio, mais il y a beaucoup de femmes qui souffrent de cette soumission. Est-ce que Paul n'aurait pas pu simplement trouver un autre mot que la soumission, par exemple? Je ne sais pas. Donc, vous les hommes, voilà, cette soumission, comment est-ce que vous la vivez, la soumission de votre femme, comment vous l'accueillez, comment vous la vivez? Aubert? Bon, moi je dis merci, hein. Je dis merci à Dieu pour cette émission, parce que justement, il y a des réalités. C'est vrai que nous sommes encore jeunes, nous sommes jeunes couples et tout ça,
Mais il y a des réalités que nous vivons très souvent au quotidien. Lorsqu'une femme, par exemple, est dans une assemblée, qu'elle soit religieuse ou profane, à l'issue, par exemple, d'une réaction de son époux, réagit du tic au tac, il y a quelque chose qui ne va pas. Le monsieur serait porté à réagir en même temps. Là, il n'y a pas de respect. À partir du moment où il n'y a pas de respect, les gens qui sont dehors, qui sont, c'est vrai qu'on ne vit pas par rapport aux autres, mais qui ont un regard sur nous, nous amènent à nous dire que cela, ça ne va pas dans leur couple. Puisque la femme ne tient même pas compte de son environnement lorsqu'elle réagit. Vous êtes en public et puis tu dis quelque chose qui l'énerve, elle réagit. C'est la femme émancipée, non? Non, la femme qui connaît ses droits. Non, non, ce n'est pas cela. Parce qu'elle avait dit tout à l'heure quelque chose concernant la parité des sexes. Pour dire que la parité des sexes, c'est pour donner la chance à chacun. Mais cela ne veut pas dire que si tu as la chance, la même chance que ton mari, ou que tu es même plus gradé que ton mari, tu ne dois pas respect. Voilà, donc moi au quotidien, comment je vis cela avec mon épouse? Je dis que je rends grâce à Dieu parce que nous avons connu le Christ, mais aussi la communauté qui nous enseignait beaucoup de choses. Mon épouse, elle ne réagit pas comme ça. C'est-à-dire, même quand je lui dis quelque chose qui ne lui plaît pas, elle reste silencieuse. Or, quand elle reste silencieuse, tu es désarmé, tu ne peux plus continuer puisque tu vas parler dans le vide. Mmh. Et puis après, on s'assoit et puis bon, on dit bon. Et ce qu'on évite, c'est de réagir devant les enfants. C'est de réagir devant les enfants. Et c'est vrai qu'elles sont encore jeunes, mais il y a une qui est un peu plus grande. Donc, on évite cela. Au point où c'est une éducation également qu'on leur donne. Pour qu'elles sachent que, puisque nous n'avons que des filles pour l'instant, pour qu'elles sachent que la femme n'a pas le droit de crier sur son époux. En tout cas, mon épouse n'a jamais levé le ton sur moi. Est-ce que l'homme a le droit de crier sur sa femme? L'homme, l'homme n'a pas non plus le droit de crier sur sa femme. Ah, moi, okay. Par exemple, je ne crie pas sur ma femme. Quand elle me fait quelque chose qui ne me plaît pas, je dis non, chérie, là, tu as mal réagi. Et puis bon, voilà, et puis après on essaie de discuter tranquillement dans la chambre ou quand on a l'occasion. Et puis on essaie de nous accorder. Mais depuis que nous sommes ensemble, avant même que nous nous marions, parce que ça fait plus de... On s'est connus depuis 2002-2003, avant qu'on se marie. Donc ça fait quand même beaucoup d'années. 18 ans, bientôt 20 ans on va dire. Voilà, donc on s'est connus très jeunes. On a eu le temps... C'est pas encore fini, mais de se connaître et tout ça. Et voilà, donc, moi, pour moi, ce n'est pas juste, d'ailleurs, même de crier sur son épouse. Voilà, ce n'est pas juste. Parce que tu vas la servir au point où, même si elle a de bonnes idées à te donner, elle a peur de t'en parler parce qu'elle craint ta réaction. Et tout à l'heure, elle a dit... La soumission, c'est dans la liberté des enfants de Dieu. C'est, voilà, donc c'est dit, une fois que vous vivez cette relation-là, même si quelque chose ne va pas, il y a la manière de la présenter. En tout cas, en ce qui nous concerne, avec la grâce de Dieu, pour l'instant, les choses se passent bien. Merci. Armand, ça fait 41 années, peut-être plus que ça, que l'exercice de la soumission s'opère dans votre couple. Voilà, tu peux nous en dire un peu plus sur comment est-ce que cela peut-être a été pratiqué au début et comment est-ce qu'aujourd'hui vous vivez cette réalité de la soumission dans le couple. Oui, oui, bien sûr. Il faut dire que dans notre histoire de couple, il y a deux périodes. Voilà. La première, c'est lorsque moi personnellement, j'étais un chrétien de dimanche. Donc, je n'avais affaire à la parole de Dieu que le dimanche, et encore. Parce que la plupart du temps, à la messe, je ne sais pas, je ne suis pas sûr que j'écoutais tout ce qu'on me disait. Mais par la suite, lorsque j'ai fait ma rencontre personnelle avec le Seigneur, et ça, c'est un jour, je rends toujours grâce à Dieu de m'avoir révélé l'autre facette de la vie. C'est du jour, c'est un peu... Le jour et la nuit,
Voilà. Et donc, en ce moment-là, les choses se sont présentées autrement devant moi. Et je peux dire que les frictions nombreuses et même l'incompréhension que nous avions ont commencé à trouver leur juste, comment dire ça, traitement pour que la vie en couple se passe bien. Donc concrètement, d'ailleurs, le thème sur lequel nous sommes, c'est dû au départ, soumettez-vous les uns les autres. Voilà, c'est après que Paul revient uniquement sur la femme. Mais sinon, quand il dit, il n'y a pas des époux. Donc normalement, quand quelqu'un se soumet, il est difficile de lui trouver, voilà, de lui trouver des reproches, des choses, voilà. Mais c'est quand la soumission n'est pas là que, évidemment, il y a beaucoup de frictions, il y a des nœuds qui se forment dans la discussion. Voilà, donc le nœud ne permet pas d'aller harmonieusement dans la discussion et les conflits apparaissent. Les conflits apparaissent. Voilà, donc nous, personnellement, on vit plus ou moins notre vie de couple depuis 1980 donc. Et il y a l'avant, mais après, il a fallu que nous revenions chaque jour pour, voilà, essayer de résoudre le problème que notre façon de vivre pouvait nous causer. Et une des premières solutions, souvent, c'est de revenir sur ce qui n'a pas marché. C'est de demander pardon si l'un a fauté. Et moi, personnellement, mon épouse est là, elle peut dire, j'ai peur de dormir sur une rancune ou sur quelque chose qui n'a pas marché la veille. Donc, même si j'ai raison des fois, je suis le premier à faire le pas pour dire, ah, il y a eu ça, qu'est-ce qu'on fait, est-ce qu'on en parle? Et la plupart du temps, quand nous en parlons, ben, nous trouvons solution à notre problème. Voilà. Ok. En tout cas, c'est très intéressant. Et je peux dire que les amis, ils ont eu la grâce de commencer tôt avec le Seigneur. Et puis, d'avoir vécu dans des familles religieuses dès la base. Ce qui n'a pas été notre cas. Donc, c'est avant où moi, j'ai vécu dans une famille religieuse, par la grâce de Dieu. J'essayais de montrer ou dire comment ça peut se passer. Mais ce n'est pas évident de l'autre côté, parce que lui n'a pas vécu ce genre d'éducation ou de donner au Seigneur ou quoi. Bon, mais ça a commencé à marcher grâce à la communauté comme vous. On a commencé à se retrouver, il a commencé à se redresser. Dieu l'a saisi, on avance. Donc, nous, il fallait déblayer le secteur avec Dieu, avec la communauté pour pouvoir se relever. Voilà. Mais Constant, tu fais écho de quelque chose que... Et ça, c'est peut-être c'est important de présenter cette autre facette-là. Tout n'a pas été rose dans la soumission, dans la compréhension, dans la pratique de la soumission. Ouais. Et est-ce que tu peux nous dire finalement, au début, quels étaient les obstacles à cette soumission-là? Au début, dans les premières années, les 5 premières ou les 10 premières années? D'abord, je ne peux pas comprendre qu'on ne puisse pas aller à la messe. Ouais. Ça, c'est un problème. Bon, Dieu a fait grâce et ça va bien maintenant. De deux, on n'avait pas les mêmes entendements des choses. Quand il dit, il faut faire ceci, ou bien, voilà ce que mes parents ont fait, vous allez me reprocher, mais toujours ton père, ta mère. Je dis, mais c'est ce que j'ai vécu. Donc, c'est jusqu'à ce que je sois là, que tu me trouves, c'est par rapport à mon éducation que tu as pu me choisir peut-être, parce que voilà. Mais ça n'a pas toujours été facile. Non, on ne peut pas dire. Il faut dire que avant qu'on ne connaisse vraiment le Christ, c'était difficile. C'était difficile. Et puis, Dieu sait faire les choses. Parce que après coup, quand tu y penses, tu te dis, mais c'est pas possible. Pas possible qu'on ait vécu de cette façon et qu'il ait pu nous accompagner jusqu'à cette heure-ci. Voilà, c'est vraiment une grâce du Seigneur de nous avoir pris en main et de nous avoir amenés sur son chemin pour que les choses se délient et que voilà, les choses se passent le plus paisiblement possible. Voilà. J'aimerais, si vous le permettez, il nous reste quelques minutes, revenir en fait au début des propos de l'apôtre Paul. C'est tiré de l'épître aux Éphésiens, au chapitre 5, ça commence par le verset 21. Paul dit ceci,
Soyez soumis les uns aux autres dans la crainte du Christ. C'est le verset 21. Et ensuite, au verset 22, il dira, « Que les femmes le soient à leur mari comme au Seigneur. En effet, le mari est chef de sa femme, comme le Christ est chef de l'Église, lui le sauveur du corps. Or, l'Église se soumet au Christ. Les femmes doivent donc, et de la même manière, se soumettre en tout à leur mari. » Les femmes doivent alors se soumettre en tout à leur mari. Je pense qu'il y a, vous me direz, il y a certainement un modèle de soumission qui est proposé. Quelle est, selon vous, la façon particulière, ou je dirais la façon chrétienne de vivre la soumission? Tout à l'heure, tu me disais que la soumission pouvait être une aliénation. Voilà. Donc, est-ce qu'aujourd'hui, vous pouvez nous dire un peu plus sur la manière chrétienne de comprendre et de vivre la soumission dans nos couples et dans nos familles? Oui, là, Joby, je ne sais pas. Je ne vais pas peut-être raisonner en termes de modèle, mais le Christ, Saint Paul, il a tout dit. Il a dit de le faire dans la crainte du Christ. Enfin, voilà. En fait, c'est pour dire que lorsque nous sommes chrétiens, on ne réagit pas comme les personnes qui sont dans le monde. En toutes circonstances, à partir du moment où nous sommes chrétiens et que nous sommes mariés, nous devons réagir dans l'amour de l'autre. Puisque papa Guido l'a dit tout à l'heure, la soumission, c'est dans les deux sens. Même si le Christ, Saint Paul après revient pour dire, femmes, soyez soumises à vos maris. Mais au départ, il a dit que tous les deux soient soumis l'un à l'autre. Donc ça veut dire que c'est une meilleure manière pour la réussite du couple. Donc la soumission ne doit pas être seulement dans unilatérale. Elle doit être, je dirais, entre guillemets, bilatérale, sauf qu'il y a une insistance qui est faite à l'endroit de la femme. Femme, soyez soumise à vos maris. Est-ce à dire que la femme, naturellement, elle a du mal à se soumettre pour que Paul puisse insister là-dessus? Je vais peut-être dire un mot dessus. Vas-y. Je pense que c'est vrai que quand il le disait à son époque. À son époque, sûrement que les choses n'allaient pas du tout. Et donc, il a donné ce conseil-là. Mais aujourd'hui, même si la société a évolué, il y a des femmes qui frappent leur mari. Donc, oui, il y a des femmes qui frappent leur mari. On lit ça souvent dans les journaux. Et donc, à un moment donné, la femme, elle doit savoir, comme Papa Dido l'a dit, que c'est dans l'ordre des choses. Et quand on est chrétien, il faut respecter cet ordre-là. Être soumis, ça ne va pas enlever quoi que ce soit au grade de la personne. Mais dès lors que vous aimez, vous devez respecter, être soumise. Voilà. Oui. Oui, moi je pense qu'il a pratiquement tout dit. Mais ce sur quoi je veux revenir, c'est le Seigneur qui insiste et qui dit à la femme, à travers Saint Paul, d'être soumise à son mari. Pourquoi? Parce que je reviens encore sur ce que papa a dit dans l'ordre des choses que le Seigneur a prétablies. Il est Dieu. Il est tout puissant. Il sait pourquoi il demande à la femme d'être soumise à son mari. Et avec la grâce du Seigneur, ces couples qui expérimentent cette soumission-là, on constate que ces couples-là sont épanouis. Donc c'est la soumission dans l'amour. Dans l'amour du Christ et dans l'amour du prochain. Je crois que Saint Paul, dans son chapitre 5, Éphésiens, au premier verset, c'était aussi dans l'optique d'amener chacun à être berger de l'autre, à prendre soin de l'autre. Et c'est cette manière-là pour la femme de prendre soin de son mari, à lui être soumise. Donc moi, je pense que ça répond à l'amour du prochain, à l'amour du Christ. Voilà, c'est en ce sens-là pour moi qu'il est important aujourd'hui pour la femme d'être soumise. La femme, surtout chrétienne, voilà, elle répond à ce besoin d'amour-là. Je voudrais dire que Dieu, il nous connaît. Il connaît l'homme et il connaît la femme. Et Dieu, il est équilibré, le plus équilibré qu'il soit.
Donc, il ne peut demander que ce que tu as de meilleur en toi. C'est pour ça que je parle de l'ordre préétabli. Il sait que dans la femme, il y a cette tendance déjà à la soumission, à la douceur, à faire les choses bien, aussi bien pour ses enfants que pour son mari. Donc en fait, il ne demande pas quelque chose de compliqué aux femmes. En fait, il demande peut-être quelque chose de compliqué, mais il sait que la femme en est capable. Ah ouais. Voilà. Il sait que la femme en est capable. Parce qu'il va demander plus tard autre chose à l'homme. Donc, ce qu'elle a de meilleur là, c'est ce que Dieu lui demande. Toi, je te connais, c'est moi qui t'ai faite. Je sais que tu es capable d'être soumise. Alors, si tu veux, il faut que tu sois véritablement soumise. Voilà. C'est un peu comme toute chose que Dieu fait. Hein. Vous pouvez prendre une voiture. Vous savez que la voiture, là, vous mettez de l'huile dans le moteur. Ça peut marcher avec l'huile de palme. Mais vous pouvez aller d'ici jusqu'à la route là-bas, ça va s'arrêter. C'est terminé. Mais si vous y mettiez l'huile qui est prévue pour ça, vous pouvez aller à Korogo revenir. Parce que ça a été fait pour ça. Voilà. C'est un peu comme ça qu'il faut voir. C'est comme ça qu'il faut voir. La femme, Dieu la connaît. Ce qu'elle peut faire pour le meilleur des mondes, c'est la soumission. Et c'est vraiment dommage qu'aujourd'hui, on veut battre en brèche cette idée parce que ce ne serait pas de l'évolution, ce ne serait pas un monde moderne ou autre. Mais quand on sort de là, on se rend compte que rien ne marche. Quand on sort de ce chemin de Dieu, on se rend compte tous les jours et de plus en plus aujourd'hui que rien ne peut marcher parce qu'on veut se libérer soi-même. On veut créer des sillons nous-mêmes. On veut faire des chemins nouveaux nous-mêmes. Et ça ne marche pas. Et ça ne peut pas marcher. Voilà. Donc, je crois que c'est pour ça que Dieu demande ce dont la femme est véritablement capable, cette soumission, qu'elle, naturellement, elle fait. Vous savez, la femme, elle a plein de poids sur sa tête. Hein. Voilà, elle doit faire la maternité, elle s'est menstruée à faire tous les mois. C'est pas agréable. Elle a toutes ces choses. Et pourtant, elle accepte tout ça. Des fois, quand on prend des images pour rire un peu, vous voyez la femme, elle est à bicyclette, elle a un enfant au dos, elle a une assiette sur la tête, son mari à vélo, il est à côté, et il marche, et lui pédale, et elle est là, elle fait tout ça. Pas de balèze. Voilà. Donc, c'est pour que ce pourquoi elle a été faite soit magnifié, soit glorifié dans le Seigneur. Les femmes, dites-moi. On a bientôt à la moi, fin de notre vie. Moi, je veux compléter parce que Dieu, il nous connaît. Il connaît bien l'homme. Il sait ce qu'il est, ce que lui m'a créé dans son amour, ce que nous aussi nous sommes. Et il sait ce à quoi nous attendons. Alors, il nous prépare dès l'avance cette soumission. Il nous demande pour que nous soyons vraiment forts. Si nous l'aimons aussi, pour pouvoir supporter, aller jusqu'au bout avec lui. C'est ce que moi, je pense. En tout cas, merci beaucoup. Il sait ce à quoi nous... Ce qui nous réserve... Ce qui nous attend, il sait avant toute chose, il connaît la fin avant le début. Il sait tout. Donc il nous prépare d'avance. Voilà. En tout cas, pour aller jusqu'au bout. Pour aller jusqu'au bout dans l'amour. Mais sans lui aussi, on ne peut pas arriver. On ne peut pas y arriver. Voilà. Mais dites-moi, on est bientôt à la fin de notre mission. Qu'est-ce qui peut rendre difficile, dites-moi, concrètement, là, c'est vraiment dans votre vécu. Hein. Qu'est-ce que vous, en tant que femme, qu'est-ce qui peut rendre difficile la soumission vis-à-vis de votre mari? Qu'est-ce qui peut vous rendre difficile cela? C'est vrai que vous êtes bien intentionné, vous voulez bien. Mais il peut y avoir des difficultés. Hein, qu'est-ce qui peut vous rendre difficile la soumission? Et qu'est-ce qui peut aider à la soumission? Moi, pour aider à la soumission, l'attention. Donc, un mari qui est attentionné peut vous aider à être soumise. OK. Quoi d'autre? Ça dépend du caractère de chacun. Si c'est des cadeaux pour d'autres. Oh, je ne sais pas, mais moi, ce n'est pas un cadeau. Moi, je préfère l'attention. Bon, qu'est-ce que tu fais? Est-ce que ça va? Donc, si Armand est attentionné à ton endroit, ça va faciliter la soumission, par exemple. OK? Pour moi. S'il aime beaucoup aussi. Il aime beaucoup, c'est-à-dire? S'il t'aime beaucoup, si tu manifestes l'amour, tout comme maman l'a dit, si tu manifestes l'amour, je crois que tu es disposé à être soumise en tout. Donc, c'est comme il y a un carburant dont tu as besoin pour voilà, oui, c'est aussi humainement parlant, mais sans oublier le Seigneur. Quoi. Le Seigneur voilà, aussi. Qui peut rendre possible toutes ces voies-là. Mais revenons, qu'est-ce qui peut être un obstacle? Qu'est-ce qui peut être un obstacle? Qu'est-ce qui peut rendre difficile la soumission? Moi, je vais noter deux choses encore.
Le manque d'amour. C'est-à-dire quand la femme n'a plus, ne ressent plus rien pour son mari, quel que soit ce que vous allez lui dire, elle va vouloir le faire, mais on va le ressentir. Voilà. Aussi, quand elle n'est plus forcément dans les voies du Seigneur. Moi, je dis qu'avec le Seigneur, on peut tout. Il faut vraiment expérimenter le Seigneur pour vivre ça. Et quand tu n'es plus dans la présence du Seigneur, parce que c'est le Seigneur qui donne cette force-là. Okay. Voilà. Donc, quand tu n'es plus dans ces deux voies-là, il est difficile de vivre la solution. Telle que le Seigneur le recommande. Oui. Constance, tu as quelque chose à ajouter? Qu'est-ce qui peut rendre difficile la soumission dans la vie de couple? Ça dépend du caractère de chacun. Le caractère peut rendre difficile la soumission. Ben, si tu as choisi avec le Seigneur, mais là tu offres ce que tu n'as pas au Seigneur, le Seigneur revient dans votre sauce pour vous aider à avancer. Mais quand la femme ou bien l'homme n'arrive pas à se dessaisir de ce qu'il est pour regarder au Seigneur, pour faire avancer le couple, le bas blesse, quoi. Moi, je pourrais ajouter aussi, parce qu'on a parlé de parité, on a parlé de la société, il y a aussi le regard extérieur. Voilà, le regard extérieur qui peut amener la femme à ne pas vouloir être toujours dans cette voie de soumission-là. Parce qu'elle veut faire comme ses amis, ce qu'elle entend dire, ce qu'elle voit faire dehors. Il y a la voie extérieure aussi. Il y a l'environnement qui peut aussi être un blocage à cela. Il y a une femme qui me disait, il n'y a pas longtemps, elle dit, mais attends, on parle de la soumission, ce n'est pas aussi facile. Moi, j'ai un époux qui ne travaille pas, qui a perdu son emploi du fait de la COVID. Il ne veut pas chercher d'emploi, il n'a rien. Tu lui demandes de faire des choses, il ne veut pas. C'est toi qui dépenses à la maison, c'est toi qui t'occupes des enfants. Il est bon à rien, à la limite, quoi. Un homme comme ça, je ne peux pas me soumettre à lui. Qu'est-ce que vous en pensez? Ça, c'est un cas pratique. Oui, c'est un cas pratique. C'est un cas pratique. Et, savez, Dieu, il nous aime tous. Hein? Et puis, on a la souffrance dans la vie. Voilà, il y a la souffrance dans la vie. Évidemment, si c'est une femme qui pratique peut-être pas profondément la parole de Dieu, ben elle peut réfléchir et dire, voilà. Je crois qu'aucun homme n'est heureux de ne rien faire et d'attendre tout de sa femme. Nous, on a été éduqués, d'ailleurs, on a fréquenté des filles qui étaient plus riches que nous à notre époque, mais tu ne peux pas accepter qu'elle dépense quelque chose sur toi. Non, tu es le garçon. Malgré que tu n'as pas beaucoup, c'est toi, quand vous irez au maquis ou au machin, c'est toi qui prendras ton petit argent pour dépenser parce que c'est comme ça qu'on a été éduqués. Voilà. Donc, il y a ce que nous vivons, il y a la réalité de la vie qui amène souvent à de la souffrance, voilà, et à la désespérance. Mais à cette femme-là, si tu la rencontrais une autre fois, il faut lui dire d'avoir beaucoup d'espérance, de prier pour son mari, voilà, de prier pour son mari, de le présenter au Seigneur, parce que rien n'est jamais définitif à ce niveau. Et ce mari, aujourd'hui, qu'elle a du mal à respecter, elle a du mal à se soumettre, ce mari-là, demain, peut être celui sur qui elle peut reposer sa tête. Voilà. Alors, je vais un peu dans le sens que mes prédécesseurs ont abordé la question. Alors, moi, ce que je pourrais juste ajouter, c'est que ça me rappelle quelque chose qu'un de mes frères m'a dit. Dieu, il est providentiel. Voilà, donc à partir du moment où on sait que Dieu est providentiel en tant que chrétien, ce n'est pas facile d'être dans un foyer et puis c'est la femme seule qui fait tout. C'est vrai que quand c'est l'homme, ça ne gêne pas du tout, hein? Mais quand c'est la femme, ça pose un problème parce que c'est notre société elle-même qui est comme ça, c'est-à-dire c'est la société africaine et tout. Okay. Mais moi je dirais que de regarder le Seigneur, c'est lui qui peut tout faire. Voilà. Ok. Je vais ajouter, c'est pas facile, certes, mais il faut qu'elle le fasse par amour si elle aime vraiment son mari. Tant qu'elle ne le fera pas avec amour, Dieu ne pourra pas ouvrir les portes. C'est ça. Qu'elle le fasse avec amour, qu'elle demande au Seigneur de venir à leur aide, d'ouvrir des portes pour le mari, de l'aider, qu'il y ait
des providences, comme on le dit, pour qu'elle puisse s'en sortir. Et il y a un secret, je crois, si on peut dire comme ça, en Dieu, c'est d'accepter ta situation. La situation dans laquelle tu es maintenant, il faut d'abord l'accueillir et l'accepter. Dès lors que tu ne l'acceptes pas, mais ça va aller en crescendo et ça ne va jamais trouver de solution. Donc il y a déjà ça qu'il faut poser comme base pour partir sur de nouvelles choses. Okay, donc là, nous sommes au terme de notre émission, hein, sur cette fameuse phrase et cette recommandation de l'apôtre Paul, « Femmes, soyez soumises à votre mari ». Qu'est-ce que finalement nous pouvons retenir de cette invitation de Paul à la lumière du commandement de l'amour? Ça sera peut-être votre mot de fin. Qu'est-ce que vous pourrez dire à nos chers téléspectateurs comme mot de fin à partir de cette invitation de l'apôtre Paul? De ma gauche vers la droite. Bon, moi, rapidement, je dirais qu'aujourd'hui, si notre monde même est en proie à beaucoup de difficultés, cela part souvent de l'insoumission, parce que voilà, puisque la famille c'est le socle de la société. Voilà, donc rapidement pour dire que s'il n'y a pas de soumission, ça va se savoir. Voilà, et puis voilà, la société va avoir des problèmes. Ta meilleure moitié. Merci. La soumission, comme Saint Paul nous l'invite, c'est pour l'équilibre de la famille. Voilà. Donc moi, j'invite mes soeurs, j'exhorte mes soeurs à vraiment être soumises à leur mari, de demander cette grâce au Seigneur. Parce que c'est pour l'équilibre du couple et de la famille. Constance? Oui, il faudrait se remettre au Seigneur. Ce qu'il a dit, il faudrait le faire, essayer de marcher dans ses voies, savoir qu'il y a un Dieu qui peut nous rejoindre aussi bien dans le bonheur que dans les souffrances, et dans la confiance et dans la prière, on peut aller jusqu'au bout. Amen. Mais moi, je pourrais dire que tout est dans la Bible. Voilà, ceux qui ont la chance de parcourir ces livres-là quotidiennement, ils trouveront tout ce qu'il faut pour vivre, dont la soumission de la femme fait partie. Et beaucoup de nos jeunes sœurs ou autres qui veulent s'émanciper, ce qui est légitime, peuvent s'émanciper tout en restant soumises. Ok. Voilà. Merci beaucoup, chers invités. Merci à vous d'avoir pris soin de partager avec nous votre expérience sur cette thématique de femmes, soyez soumises à votre mari. Merci à vous, chers téléspectateurs, également pour votre fidélité. J'aimerais nous proposer de conclure avec cette prière du Père Jérôme Jean sur justement cette thématique de la soumission. Il dit, et voilà, et je prie avec, « Seigneur, tu nous demandes d'être soumis les uns aux autres. Apprends à accepter nos dépendances réciproques, notre foncière interdépendance. Que notre soumission soit réciproque comme notre amour veut être réciproque. Jésus, tu es le modèle de la soumission et de l'amour authentique. Tu nous aimes jusqu'au don de tout ce que tu as. Tu aimes jusqu'au don de tout ce que tu es. Seigneur, à ton autel, à ton école, nous voulons que notre joie soit toujours plus donnée que de recevoir. Amen. Amen. Merci et à très bientôt. Voilà, que Dieu nous bénisse. Amen.